Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons au mariage d'Isabelle et de Tony. Nous sommes le 10 septembre 2022 et nous sommes dans la salle de Crémerie proche de Dèvres. Il y aura 100 invités pour toute la soirée. Vous allez voir, les mariés ont préparé beaucoup d'animations. On est plutôt sur un thème assez rock ce soir. Le thème de ce mariage est champêtre avec couleurs dominantes blanc et vert. Comme d'habitude, je vous laisse mettre un commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Et je vous filme tout ça. Ont séparé la salle en deux avec des paravents, comme ça, ça évite que tous les invités voient directement la salle. Il y aura une cérémonie laïque avant le vin d'honneur et les mariés souhaitaient le faire à l'extérieur, mais voilà, le temps n'est pas très favorable pour que ça se passe à l'extérieur, donc du coup, c'est pour ça que vous venez de voir toutes les chaises disposées de cette façon à l'intérieur de la salle. En fait, la cérémonie laïque va se passer à l'intérieur. Franchement, la salle de Crémerie, c'est une très belle salle. J'ai déjà animé dans cette salle l'an dernier et j'en garde de très bons souvenirs. La salle est vraiment assez grande, lumineuse. Il y a un superbe extérieur comme vous pouvez le voir derrière. Donc c'est idéal si on voulait faire le vin d'honneur à l'extérieur ou même une cérémonie laïque lorsqu'il fait beau. J'ai monté toute la sonorisation hier soir et comme ça, aujourd'hui, je suis prêt et en pleine forme pour animer le mariage. Il va bientôt être 15h, là je suis encore habillé en civil, je vais tout de suite me changer et faire tout beau avant l'arrivée des invités. Travailler à deux pendant le vin d'honneur et ensuite je vais passer avec ma caméra type GoPro comme je vous ai parlé dans les vlogs précédents où je vais m'amuser avec les invités à leur faire faire des bisous à la caméra.
Il est 19h30, les invités sont encore bas d'honneur, là il va se terminer et nous allons passer dans quelques instants à l'entrée des mariés. On dit Julien, prenez pas, les invités sont chauds, ils vont danser, mettre le feu pendant la soirée. Est-ce que je peux compter sur vous? Alors imaginez, je suis les mariés, vous vous faites? Vous voulez leur faire la dernière fois? Je les marie, vous faites? Eh bien, veuillez vous dire que messieurs voient nos deux jeunes mariés, s'il vous plaît! C'était un dos de cabillaud, alors je pense que je vais me régaler. Ouverture de bal d'Isabelle et Tony, c'était vraiment super beau à voir. J'ai fait danser les invités à peu près 40 minutes et là nous passons au plat principal avant de remettre l'ambiance.
Et demi-tour. Alors pose les mains sur les hanches de son voisin. Et on chatouille son voisin. C'était une carte bonne flamande, a été vraiment excellente. Après, j'ai fait danser les invités comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et je vais enchaîner tout de suite avec le jeu des points communs. Et après, je remettrai le feu sur le dance floor. Très bien, alors on va commencer par le point commun numéro 1. Chers invités, si vous êtes concernés par le point commun numéro 1, veuillez vous lever s'il vous plaît. Ce sont toutes les femmes de la salle. Bonne réponse. Et enfin, les personnes qui sont concernées par le point commun numéro 20, je vous demande de bien pouvoir vous lever, s'il vous plaît. Ce sont toutes les personnes qui vous souhaitent un peu d'air sans fin. On peut les appliquer bien fort, s'il vous plaît. Yeah.
bip bip bip. Et bip bip. Ça fonctionne vraiment parce qu'on est dans le nord et comme vous pouvez voir derrière, c'est des musiques du nord ça. Et pour les derniers, faites du bruit! Voilà, la soirée est terminée. J'ai déjà désinstallé toute la sono, elle est rangée dans la voiture. Là, comme vous pouvez entendre, en fait, je vais essayer de vous montrer. La soirée n'est pas encore entièrement terminée, enfin en tout cas pour moi elle est terminée, là je suis HS, là j'ai qu'une envie, c'est d'entrer chez moi et d'aller me coucher. Parce que là il est déjà 6h15 du matin, j'ai encore un peu de route à faire et je dois ranger toute la sono. Je remercie énormément Isabelle et Tony pour leur confiance. Je suis vraiment éclaté et j'ai vu aussi que les invités et les mariés ont vraiment apprécié cette soirée par rapport au retour que j'ai eu. J'ai essayé de filmer tout ce que je pouvais, après c'est toujours compliqué aussi parce que voilà, le but principal c'est surtout d'animer et de gérer le dance floor. J'essaie de filmer un maximum, en tout cas n'hésitez pas aussi à me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, la vidéo touche à sa fin.
J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.